Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je pense qu'ils connaissent ma carrière en général. Ça fait 5 one-man shows que je fais. J'ai fait le tour du Québec. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a bien des choses que les gens savent pas de moi. Exemple, mon goût pour faire de la nourriture, j'adore papoter. Puis je me suis lancé un nouveau défi. Je suis parti mes propres pizzas, mes propres sauces à spaghetti. Les choses que j'aime le plus, probablement comme tous les Québécois, moi, c'est je suis très, très spaghetti, très, très pizza et tout ce qui s'appelle comfort food. Puis écoute, à chaque fois que je fais une sauce à spaghetti, il y a de la visite qui arrive impromptue. Je sais pas si ça sent partout dans la rue. Le vent ramasse ça. Écoute, c'est quasiment une farce. Je viens avec des petits line-up. Puis les gens sont à la porte. Hey Pete, comment ça va, tu? Et c'est tellement pas naturel. C'est de la sauce à spag qu'ils veulent. Puis souvent, ils me disent en plus, crème, devrait la vendre, elle est tellement bonne. Mais je peux pas la vendre, vous venez la chercher à mesure. Quand je me suis mis à parler avec des gens pour savoir comment je pourrais prendre ma sauce puis l'amener dans une épicerie sur les tablettes, écoute, je me suis rendu compte que j'avais jamais écrit ma recette. Alors, je me suis mis à le faire, et moi, j'ai une façon de tester qui est incroyable. C'est un outil, je sais pas où ils le vendent déjà, mais en tout cas, c'est le bout de mon doigt. C'est stérile, par exemple. C'est un doigt très stérile, mais à toutes les deux minutes, je goûte, puis je réussis à aller chercher toujours le même goût. Puis encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens autour qui goûtent. Font, comment tu fais pour réussir? Puis j'ai quelques ingrédients aussi secrets que peut-être que je dévoilerai éventuellement. Puis là, après ça, c'est quel nom qu'on donne à une sauce à spaghetti? Là, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai fait, Caroline, j'aimerais ça que tout le monde l'aime, tout le monde y goûte. Puis c'est là qu'est venue l'idée de l'appeler la rassembleuse. C'est mes petits ingrédients. Vous allez voir, il y a un petit goût de cannelle. Puis je suis pas un maniaque de cannelle dans la vie, je suis pas quelqu'un. Mais la cannelle, avec l'espèce de fond de petit goût de sirop d'érable qui est en arrière de ça, c'est du bonheur. Puis d'avoir appelé la sauce la rassembleuse, ben je pense que ça le dit, c'est pour rassembler. Puis la preuve, à chaque fois que j'en fais une batch de sauce à se faire, écoute, ça rassemble tous mes voisins. Puis j'espère que ça va avoir le même effet dans toutes les maisons du Québec, que ça va rassembler les amis et les familles. Puis je fais ma propre huile. Ça fait des années que je fais ça. Avec mes propres piments. Elle, on l'a appelée la ratoureuse. Vous allez comprendre quand vous allez y goûter, c'est assez intense. Je vais vous partager un petit peu c'est quoi mon petit bonheur quand j'arrive chez nous les week-ends, de me lever le matin et de dire « Wow, OK, une bonne batch de sauce à spaghetti. » Puis je me suis fait un super cadeau dans les dernières années. Je me suis acheté un four à pizza. Le bonheur que ça m'a amené, écoute, d'avoir un couple d'amis qui débarque ici ou deux ou trois chums qui viennent jaser puis de faire notre propre pâte puis de rouler tout ça, c'est du bonheur. Puis en parlant de pizza, ma fameuse pizza, c'est sûr qu'il y en a plein sur le marché, puis il y en a qui font des bonnes choses. Mais moi, ma pizza, écoutez, ça va être une des rares pizzas. OK, elle est all dress. Excusez, toute garnie. Mais elle a du bacon, en plus. Pas le choix, on est Québécois, ça prend du bacon. Une vie sans bacon, c'est comme, écoute, une journée sans soleil, hein? Puis mon autre pizza est au pepperoni et saucisse italienne. Et ma pâte, je peux me vanter de ça, dans les pizzas commerciales, elle est étirée à la main. C'est des vraies madames qui étirent la pâte eux-mêmes de tous les côtés. C'est vraiment le fun de penser que c'est une pâte à la main. Ce n'est pas une machine qui l'étend, qui l'étire. Alors tout ça, ça va se retrouver dans la bannière Pete Authentic. Puis de penser que ça va se retrouver dans les épiceries, sur les tablettes. Puis après ça, ça va se retrouver dans votre maison. C'est un direct au cœur. C'est vraiment le fun, l'idée d'imaginer ça. Pour moi, ça me rend fier, puis je suis heureux de partager ça. Alors, en gros, on a la sauce à la viande qui s'appelle la rassembleuse. Vous allez comprendre en la mangeant, puis j'espère que ça va vous rassembler les familles et les amis autant que moi, ça me rassemble avec mes voisins. Ensuite de ça, on a le volet de la pizza qui va s'appeler pizza. Oui, c'est un jeu de mots, je vous demande d'être indulgent, mais quand même, je suis très fier de mon produit. Ça va être vraiment un beau compromis. Je pense que c'est un très beau compromis entre une pizza qu'on pourrait faire venir ou qu'on se fait versus une pizza surgelée. Ma fameuse huile piquante, je vous dis, elle est quelque chose. On l'a appelée la ratoureuse, puis c'est pas pour rien. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en terminant, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à déguster ça que j'ai eu du plaisir à les faire.